Common sense spirit, baby. Community of common sense, come on. Grace, Pribit and family, homies, for the Blackout Series, épisode 24, arrogance. Par le pouvoir du Tout-Puissant. Ils l'ont dit et redit, ils le dirent, ils ou elles le disent encore, encore et encore. Free et arrogant. L'arrogance, mes amis, un bien gros mot. Caractérisant souvent des personnes à l'ego surdimensionné, agissant par conséquent bien souvent à tort. Car, ayant pris l'habitude de rabaisser autrui par paroles et actes blessants, pour s'élever ou s'en donner l'impression, c'est une des caractéristiques du faible et de l'ignorant. Je commence d'abord par définir le terme à ces derniers hypocrites accusateurs, dont la vie, ma foi, n'importe que pour eux, pas pour nous, certainement pas. Nous pour qui d'ego, il ne reste rien. Mais par contre, dans nos veines, et contrairement à eux, coule à foison le sang de la dignité, du courage de celui qui porte ses couilles pour se défendre, défendre les siens et les causes justes. Si c'est ça l'arrogance, eh bien je suis bien heureux d'en être, en espérant que Dieu me garde à jamais de faire partie de ce lot d'énergumènes au cul entre deux chaises, qui n'appartient à aucun camp ouvertement, en prenant le faux pari de l'hypocrite neutralité qui, au demeurant, ne mène à rien d'autre qu'à la facile et active critique de ceux qui, ouvertement, prennent parti, affichent fièrement la couleur et n'en ont donc rien à foutre de la vie de ceux, encore une fois, dont la vie ne compte que pour leur sale gueule de désabusés, incapables qu'ils sont d'arriver à quoi que ce soit de concret. Ceux qui la ferment là-bas pour venir nous emmerder ici, non conscients de leur parfaite position de contre-exemple, à la présence nulle et non avenue. L'arrogant ne les salue donc pas et prend cette infondée critique comme un compliment. Alors arrogant à souhait quand il le faut, avec les vrais arrogants, mais toujours vrai, toujours avec le reste des braves. Les vrais savent. Real, recognize, reals. On ne s'excuse de rien et n'avons de compte à rendre à personne. L'on adapte notre langage à celui de l'interlocuteur direct. S'il est cool, on est cool. S'il se faisait qu'il s'agissait d'un enfoiré agissant comme tel, il sera traité comme tel. Il trouvera la réplique qui sied à sa position. Nous ne ferons pas l'erreur commise par certains de nos illustres anciens combattants, défenseurs de la vérité, qui, par souci d'être bien sous tout rapport, ont négligé de faire preuve de fermeté quand il le fallait. Regardez le sort réservé à l'homme politique le plus digne que le pays n'ait jamais connu. Il a commis l'erreur de se mélanger à la merde ambiante. Et voilà. Voilà ce qui lui arrive après avoir toléré cela. Le voilà cloué au lit sans aucun soutien notable. Cela suffit à faire réfléchir. Au demeurant, nous sommes plus polis que toutes ces raclures qui s'accrochent à l'expression de notre fermeté ponctuelle verbale et comportementale pour trouver anguille sous roche. Car ils se reconnaissent et savent bien que c'est à eux que je parle. Ceux qui nous connaissent ou ont eu l'occasion de nous fréquenter n'ont jamais entendu un seul mot de travers de notre part. Alors à la guerre, comme à la putain de guerre, on s'adapte au milieu qui reste et demeure merdique. Car c'est bien cette merde que nous devons évacuer. En nous excusant auprès des âmes sensibles, bien attentionnées et des fois choquées, mais il faut faire un choix et s'y tenir, et notre choix est fait. Par conséquent, tant qu'il sera nécessaire d'y recourir, nous userons à ce type de langage ordurier pour nous adresser à des ordures. Et n'en sont point désolés. Qui veut éduquer quelqu'un n'a qu'à d'abord s'éduquer et éduquer ses gosses. Nous, nous sommes plus que bien éduqués. Yeah, man, bro, free spirit, not sorry for nothing. Wow. Aucune arrogance à défendre. Aucune. Ce qui doit être défendu, se devra de l'être sous quelque forme que ce soit, par tous les moyens nécessaires. Voilà donc ma position. Mailer, mec. Wow.